Ok, je m'appelle Faisal Isaïe, le chef centre de santé intégré de Revasraguti, là où nous sommes actuellement. Et je remercie vraiment ce système de mise en place de reboisement de centre de santé tel que je vois. Et nous avons actuellement beaucoup d'espèces d'arbres qui ont déjà érigé et qui ont déjà donné un peu de l'ombre. Et nous avons actuellement des espèces telles qu'anacardio, nous avons les acacias, et nous avons également les limiers, que ces arbres, de part et d'autre, nous donnent de l'ombre. D'autres nous vont nous servir vraiment des arbres qui sont des arbres fruitiers auxquels nous en profitions de ces fruits, ce qui est nécessaire pour nous, des limiers que d'autres vont même en bénéficier pour certains traitements de certaines maladies que ils en prennent. Il y a les acacias qui nous donnent de l'ombre et les limiers qui nous donnent des ombres. Actuellement, nous avons un reboisement qui ont bien réussi, tel que sur l'espace que nous voyons, malgré la surface est dure, des pénétrations des racines de ces plantes, mais nous avons constaté que ça a réussi grâce à cet entretien, à ces suivis sur le terrain par les responsables des corps et d'autres qui viennent. Comme vous voyez aujourd'hui, nous avons déjà de l'ombre qui sont données par les acacias et pieds élevés tels que nous voyons l'ensemble de ces plantes alliées tout en direction du bâtiment du centre. Autre chose, je remercie également cette Union européenne qui ont fait un effort pour pouvoir reboiser ce terrain, parce qu'actuellement nous sommes sur un endroit très dur et frappé par le soleil, et nous espérons que cela pourra réussir davantage. Cela peut-être ne pourra pas se limiter à ce niveau, peut-être avoir d'autres espaces encore plus derrière le bâtiment qu'on pourra avoir. Nous espérons que ça sera encore un autre reboisement qui doit continuer, d'autant plus qu'il y a quelques parties qui ont raté, mais cela est, nous remercions vraiment cette union et que nous espérons que ça peut continuer davantage pour donner beaucoup d'ombre, pour donner beaucoup d'aspect à notre formation sanitaire, telle que je vois que c'est déjà commencé à donner de l'ombre. Ça, c'est mon souhait.